Je vous demande de vous présenter à cette porte. Faites appel à votre ami fidèle et à votre témoin. Ami fidèle. Et votre témoin. Et on choisit... Sébastien. Veuillez vous présenter à cette porte. En toutes circonstances. Notre corps, eau qui nous permet de naviguer et de découvrir d'autres mondes, qui vous protège. Bateau pour nous apporter richesse dans nos commerces. Il vous protège. Et enfin, le dernier élément, le feu. Le feu qui nous donne la clarté. Le feu purificateur. Le feu qui nous permet de mieux manger. Qui vous protège. Le marié a la hache et dit à sa femme, par cette hache de mon clan, je t'apporte protection et l'outil de la maison
pour façonner et t'apporter de la chaleur. Je te fais ce présent avec tout mon cœur pour toi. Ne descendons. La mariée à l'effet répond. Par l'effet de mon plan, que celle-ci t'apporte force et qu'elle nous protège et nous apporte chance et bonheur à nous et à nos descendants. Que les amis fidèles reprennent les armes. Restez près de moi. Tu restes là. Par ce lien de cuir, je vais unir ces futurs mariés. Ici pour 1 an et 7 jours. Au-delà de ce 1 an et 7 jours, ils peuvent renouveler leurs vœux ou cesser leur union. Après 1 an et 7 jours, ce sera 7 ans et 7 jours. Et enfin, ce sera pour la vie entière. Fertilité, bonheur en toutes choses. Un Freya, protectrice des couples. Anna, celle qui tisse les destins. À Odin et Thor de venir dans cette assemblée. Par Freya, par Thor, par Odin, père de toutes choses, je vous déclare mari et femme. Les mariés peuvent s'embrasser. Et santé. Que le marié fasse appel à la personne qui lui est chère. Ensuite, tu présentes ça aux amis fidèles et témoins. À tous les piliers. C'est bon.
Je vous invite maintenant, tous les deux, à sortir par la porte centrale. Celle votre union. Que les filles éteignent les bougies et les dépensent de heureux. Et je vous invite à suivre les mariés. Pourquoi on est volontaire? Vous pouvez rester si